Bonjour. Christian Gérardot, je suis enseignant au département Humanité. J'enseigne essentiellement la gestion sous différentes formes. Donc, je vais essayer de vous parler un petit peu, là, dans le temps imparti, de l'étude de marché. Je vais vous dire un petit peu quels sont les objectifs d'une étude de marché. Je vais aussi essayer de vous dire ce qu'elle comporte. Dans la réalisation, c'est un petit peu difficile en tant que tel, donc si nécessaire, vous me poserez des questions pour voir si on a besoin d'aller un petit peu plus loin. Alors, des objectifs dans une étude de marché, décrire, expliquer le comportement du consommateur. Quand on parle de consommateur, on peut être dans des situations très différentes. Un consommateur qui peut être vous et moi. Par exemple, nous sommes tous consommateurs à un instant ou un autre d'objets de consommation courante. Le consommateur, ce peut être aussi un consommateur professionnel. Demain, dans votre métier, vous êtes amené à acheter des biens, des services, donc vous êtes aussi consommateur, mais pas dans le même cadre que le comportement, comportement privé. Donc vous avez là l'achat professionnel. Et puis, pensons à nos collègues, donc, qui sont toutes les fonctions support à l'UTBM. Eh bien, là aussi, c'est un comportement de consommation différent, donc, qui est l'acheteur public. Donc, le consommateur, ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Je ne vais pas plus loin sur ces éléments-là. Si certains, dans le cadre du projet Crunch, ont besoin un petit peu de spécifier, ben, il faut penser donc l'objet de votre réalisation, à qui s'adresse-t-il? Ça peut être l'un de ces grands types de consommateurs, ça peut en être plusieurs. Hein. Un logiciel, par exemple, il est susceptible de s'appliquer pour beaucoup dans des logiciels présents sur le marché, aussi bien dans un cadre privé que dans un cadre professionnel. Un autre grand objectif de l'étude de marché, c'est de le segmenter. Le consommateur, il n'est pas unique. Le consommateur, il est multiple. On présente donc l'étude de marché dans un objectif de segmentation. C'est-à-dire qu'on va essayer de décomposer un marché global en catégories de consommateurs relativement homogènes. Il y a des méthodes pour parvenir à faire apparaître ces groupes de consommateurs type. Je ne peux pas entrer ici dans le détail. On a aussi un objectif de prévision ou de simulation de l'évolution d'un marché. Connaître le marché à l'instant T, c'est bien, notamment quand le marché est existant, quand on s'appuie sur quelque chose de déjà présent. Là, tout à l'heure, j'ai fait un petit tour rapide dans les allées. J'ai vu qu'il y a un groupe qui travaillait sur des ustensiles de cuisine. Bon, ben, ces ustensiles de cuisine, le marché, il existe à un instant T. Après, ce marché, donc, on a aussi besoin de savoir comment potentiellement il peut évoluer. Comment il peut évoluer sur le marché français, qui est un marché que l'on qualifie de marché dit à maturité. Et puis, comment cette entreprise, elle souhaite développer, accentuer ses ventes, notamment dans deux grands marchés internationaux, le marché nord-américain, le marché japonais. Donc là, on est sur une évolution probable du marché. On a besoin de se poser la question de savoir comment le consommateur, forcément le consommateur nord-américain, le consommateur japonais, ce n'est pas le consommateur français. Donc comment va-t-il réagir quand on va venir lui proposer les produits? On a aussi besoin, avec l'étude de marché, d'avoir un outil d'aide pour les orientations stratégiques. Donc les orientations stratégiques, c'est qu'est-ce que l'entreprise veut être demain, et puis de contrôler aussi des actions plus opérationnelles du quotidien. Qu'est-ce qu'on fait déjà donc au niveau de l'entreprise? Et l'étude de marché nous aide donc à renforcer, à consolider les actions du quotidien. Et puis enfin, on veut donc contrôler un petit peu éventuellement ce qui s'est fait antérieurement. Je les ai séparés, ces objectifs, il est bien évident que ces objectifs, ils sont imbriqués les uns avec les autres. Une étude de marché, si on va jusqu'au bout, elle peut comporter donc quatre grandes phases que je ne vais pas toutes développer ici. Quatre grandes phases qui sont la formulation d'un problème, le plan de l'étude, j'ai besoin de savoir donc comment je vais organiser mon étude,
L'étude de marché, elle s'appuie sur des données, donc comment est-ce que je collecte les données et surtout comment je les analyse. Et enfin, eh bien ça c'est pour le client final, donc si vous adjoignez demain donc, une étude de marché aux produits que vous allez proposer pour le client dans un projet réel, eh bien on a besoin d'organiser la présentation du rapport. Je vais surtout ici un petit peu parler de la formulation du problème et de la phase de collecte et d'analyse des données. Les deux autres aspects, je ne vais pas les présenter. Le plan de l'étude, c'est surtout une question d'organisation de son travail, de définir une méthodologie. Quant à la présentation du rapport, entre guillemets, on dira que c'est la cosmétique finale quand on a fait tout le travail de construction de cette étude de marché, ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'on la néglige. Quand on a fait un travail complet sur cette construction, autant rendre un travail qui soit satisfaisant aussi dans la présentation. La formulation du problème, eh bien, c'est qu'au départ, on a besoin d'un temps de réflexion pour se dire on est face à un problème et ce problème, il doit être clairement formulé. Un exemple parmi d'autres, très bateau, pourquoi les ventes d'un produit donné sont-elles en baisse à l'instant T ? Une autre question, ça c'est une étude que j'ai parcourue ce week-end, pourquoi le livre numérique ne décolle-t-il pas, et pas qu'en France, dans, on va dire, pratiquement partout où il y a des tentatives donc, de vendre des livres numériques, eh bien, le marché maintenant, depuis plusieurs années, les liseuses qui sont le support technologique essentiel au livre numérique, eh bien, ce marché du livre numérique, il représente à peu près 3,5% de l'ensemble des livres, tout type confondu de livres, et il n'évolue quasiment pas d'une année sur l'autre. Donc pourquoi est-on comme ça dans une situation de stagnation de l'outil, passé le temps donc de la nouveauté, du décollage lié aux premières liseuses, ben, le marché n'a pas progressé. Donc on a besoin, une fois qu'on a bien formulé son problème, de rechercher les causes. Donc les causes, c'est de se dire, ben, qu'est-ce qu'il peut y avoir. Alors je reviens donc dans mon exemple des baisses du produit, des ventes d'un produit donné, on peut avoir un problème de prix, on peut avoir un produit qui ne répond plus ou pas suffisamment aux attentes du consommateur, on peut avoir aussi une question d'image, qui n'est plus en phase avec le produit tel qu'il est perçu. Donc on peut avoir aussi bien d'autres causes, mais voilà aussi trois exemples. Donc on a besoin de faire tout un travail d'analyse pour se dire, par rapport à la formulation du problème, quelles peuvent être les causes donc, du problème auquel on est confronté. Le plan d'une étude de marché, donc dans le plan d'une étude de marché, qu'est-ce qu'en généralement on met en évidence dans le plan et donc dans le rapport qui sera ensuite précisé? Les objectifs, qu'est-ce qu'on veut montrer et démontrer à travers l'étude de marché? Les informations qui seront à collecter? Et là, je dirais que ceux qui travaillent parmi vous dans les outils informatiques, eh bien, l'étude de marché moderne, c'est une application type qui va aller chercher des outils de base de données, qui va aller chercher du big data, qui va aller chercher de l'informatique décisionnelle. On a plein d'outils potentiellement de l'informatique. Le marketeur qui pilote une étude de marché, il l'a fait forcément en collaboration donc avec des gens des services, des systèmes d'information, donc pour parvenir donc à cette collecte d'informations. On a un troisième point qui nécessiterait beaucoup de développement et que malheureusement il faut couper, c'est les choix méthodologiques qui sont faits. Donc on ne part pas comme ça au hasard pour établir son étude de marché. On a besoin, on a beaucoup potentiellement de méthodes qui sont proposées, donc il va falloir faire un choix parmi ces méthodes, essayer de repérer celles qui sont les mieux utilisables pour ensuite analyser les données et en faire, donc en ressortir quelque chose. Je donnerai quelques exemples par la suite. Et puis enfin, on a besoin de spécifier quel est le budget
qui est alloué à cette étude de marché. Donc on peut très bien faire une étude de marché, effectivement, comme ça, de sensibilisation dans le cadre des études, mais la question du budget, si on veut avoir quelque chose de sérieux, eh bien donc ça nécessite d'y consacrer des ressources. Ce budget peut être donc utilisé à la fois en contactant une société spécialisée dans le domaine de la réalisation des études de marché. On peut aussi, quand on est, là je me tourne un petit peu peut-être vers ceux qui auraient un projet start-up, de se dire, eh bien, on a les juniors entreprises. Les juniors entreprises, allez, on va pas négliger la nôtre, mais on va se dire, on va peut-être se tourner vers celle d'une école de commerce qui peut monter, donc pour une start-up peu doté de ressources au départ, d'avoir une première étude de marché avec un prix raisonnable à l'acquisition. Donc ici, on va surtout s'intéresser donc à la partie ensuite collecte et analyse des données issues de l'étude de marché. Dans cette étude de marché, globalement, les données elles peuvent provenir de trois grandes étapes. Une étape d'étude documentaire, une étape d'étude qualitative et une étape d'étude quantitative. Et l'ordre n'est pas indifférent. Si on veut mener correctement l'étude de marché, c'est de respecter cette démarche-là. On n'y consacre pas le même temps à ces trois étapes, mais normalement, toute bonne étude de marché donc s'appuie sur ces trois phases dans la réalisation. Elles peuvent être partagées, ça peut être en pratique, on s'aperçoit que ce ne sont pas forcément les mêmes sociétés qui réalisent les trois étapes combinées. On peut avoir des prestataires, hein, là encore, faire réaliser une étude de marché, ça, c'est rare que ce soit les services internes de l'entreprise qui le font, c'est le plus souvent des prestataires spécialisés et on va demander à des prestataires différents de réaliser chacune des tâches, quitte à ce que l'un des prestataires assure la coordination de l'ensemble au moment de la restitution. Regardons rapidement ce qu'on peut trouver dans chacune de ces grandes étapes. L'étude documentaire, donc c'est la phase d'amont. Je veux savoir un petit peu, je veux faire le tour de la question qui constitue l'environnement du problème que j'ai formulé. Donc pour ce faire, je peux m'appuyer sur des sources internes. Donc j'ai forcément dans l'entreprise des données, si l'entreprise bien sûr existe. Si je crée une start-up, évidemment là je n'ai pas d'informations internes disponibles, mais si l'entreprise existe déjà, donc eh bien celle-ci dispose de données. Elle a déjà un très grand nombre d'informations à sa disposition. Elle ne doit pas les négliger. Ces informations proviennent de différents services. Ils proviennent tout à la fois des services de la production, du service commercial, des services financiers, etc. Donc on imagine mal, quand l'entreprise existe, déjà toute la richesse des informations qui sont à disposition en interne. Et là encore, pour les étudiants et étudiantes du département informatique, les outils du Big Data sont des outils remarquables pour aller explorer un petit peu toutes ces informations contenues dans les sources internes. Mais les sources internes, parfois, ne suffisent pas. Donc, on va aller chercher aussi des informations dans les sources externes pour compléter, enrichir, élargir le propos autour de cette question qui constitue l'environnement de l'étude. Donc là, les données, elles peuvent provenir de différents organismes, des organismes publics. Dans ces organismes publics, certaines informations, certaines données sont gratuites à disposition, on peut les télécharger, d'autres seront payantes. Donc, quand encore une fois, on fait un travail à portée réelle, on a défini dans le budget que peut-être on sera obligé d'acquérir le contenu d'une source externe d'information. Donc j'ai mis ici deux exemples, celui de l'INSEE, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques. J'ai mis l'exemple de la Banque de France, mais on peut trouver bien d'autres organismes qui collectent des informations sur un plan local, sur un plan régional, sur un plan national, voire sur un plan international. Je peux aussi recourir à des organisations professionnelles. La plupart des entreprises adhèrent à un syndicat
professionnel. Par exemple, dans l'économie du numérique, le syndicat de référence, c'est le Syntec. Syntec pour les entreprises du numérique, eh bien là déjà, on peut accéder à beaucoup d'informations. Sur un plan local, les chambres de commerce et d'industrie fournissent également, pour les entreprises adhérentes, un certain nombre de données. Et puis enfin, je peux bien sûr me tourner vers des organisations privées qui vont me donner des données complémentaires. Donc ces organisations privées, c'est là que l'information est la plus payante, mais c'est aussi souvent une information discriminante. Là, on va recourir à des sociétés d'études et on va recourir à des panélistes. Qu'est-ce que c'est qu'un panéliste ? Eh bien, c'est une société qui étudie, surveille, hein, il faut employer le verbe, j'hésite pas à employer le verbe de surveiller, surveille un marché pour détecter comment ce marché évolue sur la durée, comment les comportements des consommateurs se modifient ou ne se modifient pas dans la durée. Donc un petit exemple dans ces organisations privées, là encore, d'une étude que j'ai vue passer il y a peu de temps, qui peut-être certains même parmi vous sont-ils pratiquants de cette activité qui est en plein essor, c'est le trail, donc la course. En extérieur, voilà, donc c'est un marché, par exemple, qui est en pleine expansion. C'est un marché qu'on chiffre au moins, rien que pour le marché français, à 5 milliards d'euros, dont 2 milliards rien que pour tout ce qui est vêtements, chaussures. Et on a l'impression que là, ben, il y a les grands acteurs bien connus qui sont présents sur ce marché, des sociétés comme la société française Salomon, ou des sociétés plus mondiales comme le groupe Adidas, le groupe Nike. Et puis à côté de ça, on voit aussi que des start-up, dont je n'ai pas du tout mémorisé le nom, mais on peut rechercher toutes ces informations si nécessaire, il y a des start-up qui se lancent sur ce marché-là pour dire le ou la passionnée de course de trail, elle a besoin d'équipements spécifiques à sa pratique. Et l'étude en question montrait que les passionnés, le noyau des passionnés de ce type de compétition, consacrent en moyenne entre 170 euros et 200 euros chaque mois à leur passion. Donc 170 euros à 200 euros, ça fait tout de suite beaucoup d'argent qui sont en jeu. Donc on voit des sociétés qui vont réinventer la chaussure de course uniquement pour ce type de passionné. Et puis bien d'autres choses. Là encore, j'ai vu qu'il y en a en passant comme ça rapidement dans les allées, j'ai vu qu'il y en a qui travaillaient sur des questions de connectivité. Et bien là encore, on n'a pas l'impression, mais dans une course de trail, dans une course en tout cas de trail longue distance, pas dans une course d'un 10 ou 15 km qu'on va faire le dimanche dans un état d'esprit, on va dire, uniquement de détente, mais où il y a déjà un esprit de compétition, et ben les outils de la connectivité, ils sont là, ils sont présents, et il y a des start-up qui mettent à disposition des outils de géolocalisation, des outils de mesure de l'endurance spécifique, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple de société d'études qui s'est intéressée plus particulièrement donc à la question du trail, et on peut comme ça multiplier dans tous les champs les études que l'on peut rencontrer donc pour élargir notre étude documentaire. Donc ça, c'est le point de départ. Certaines entreprises ne le font pas, estimant qu'elles ont déjà la connaissance du marché, de leur environnement, et qu'il n'y a pas lieu de faire cette étape-là. Bon, ben c'est un choix. Néanmoins, moi, il me semble qu'une bonne étude de marché commence par la mise en perspective de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue pour avoir quelques données quant au volume, quant aux valeurs, quant aux motivations et aux freins des consommateurs, quant aux produits ou services qui leur sont proposés. On entre ensuite dans les deux gros morceaux de l'étude de marché, c'est le volet quantitatif, souvent appelé le quanti par abréviation, et le deuxième volet, le qualitatif, de la même façon, le quali. L'étude quantitative, c'est une étude qui a essentiellement un objet exploratoire. On se projette dans le temps. Alors, plus on s'éloigne de l'instant T auquel on se situe, et plus l'étude devient incertaine. Donc, on a besoin, dans le cadre de cette étude exploratoire, de fixer
des limites et de poser des hypothèses de réalisation en se disant, voilà, dans ces hypothèses de réalisation, voici une hypothèse basse, voici une hypothèse médiane et voici une hypothèse haute d'évolution du marché. À un an, à trois ans, à cinq ans, et puis après ça devient, au-delà de cinq ans, ça devient vraiment quelque chose qui peut se révéler totalement erroné. Donc, la nature exploratoire du marché, cette étude qualitative, elle est indispensable quand on aborde un domaine qui est peu connu. Donc, il y a encore quelques années, ce marché du tel qui est venu comme ça, donc en substitution au marché du running, donc est un domaine peu connu. Donc, au départ, il n'y a pas grand-chose. Donc, il me faut des études. Il me faut des études pour essayer de le serrer, connaître les premiers pratiquants, ceux qui vont donner, entre guillemets, le « là » sur le marché. Et cette étude qualitative, essentiellement, elle répond à une grande question. Elle répond à une grande question du pourquoi. Pourquoi y a-t-il autant de pratiquants du trail à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce un effet de mode? Peut-être, l'étude ne semble pas le dire. Ou pourquoi, l'autre exemple que j'évoquais précédemment, pourquoi y a-t-il finalement un tassement du nombre de lecteurs de livres au format numérique? Voilà, l'étude qualitative, pour ces deux domaines-là, qui sont à mille lieues l'un de l'autre, ils répondent, elle devient indispensable, l'étude. Et cette étude, c'est quelque chose qui peut être réalisé assez rapidement, c'est-à-dire qu'elle va être basée sur l'entretien, je vais y revenir, et en moyenne, on estime que 10 à 70 entretiens seulement peuvent suffire pour la mener à bien, cette phase qualitative. Donc, je vous parle ici un petit peu des techniques d'administration de l'étude qualitative. On a globalement deux grands axes, l'entretien individuel et la technique de groupe. L'entretien individuel, donc, lui-même peut se décomposer en plusieurs étapes, entre un entretien directif, un entretien semi-directif, un entretien non-directif. Je ne vais pas les décliner. Je posais la question tout à l'heure, les conférences seront accessibles et puis même, si nécessaire, moi, tous ceux qui le souhaitent, je leur enverrai le diaporama sans problème si on veut simplement avoir le diaporama et pas simplement, le support vidéo, donc il n'y a aucun souci. Voilà, donc je ne vais pas entrer dans le détail, mais là, il y a des choses qui peuvent être menées de manière différente selon que je fais un entretien directif, semi-directif ou non-directif. L'autre grande technique qui s'oppose à celle-là, mais que je peux très bien mener en parallèle, je peux faire des entretiens individuels ou faire des entretiens de groupe. Donc la technique de groupe, elle consiste à réunir environ 8 à 10 individus. Ces individus, sauf pour un type d'études bien particulières, ils sont forcément hétérogènes, donc la mauvaise formulation, c'est de se dire je prends 10 élèves ingénieurs pour les questionner en groupe, sauf si je suis dans le scénario de l'expertise, où là, effectivement, j'ai besoin d'avoir des gens qui ont une connaissance d'un métier donné, des technologies données, eh bien, je vais plutôt donc choisir des gens d'horizons différents donc pour construire le groupe, discuter et travailler avec le groupe. Donc, ça peut être utilisé, la technique de groupe, elle peut être utilisée dans une orientation de créativité, dans une orientation d'expertise, dans une orientation d'évaluation et dans une orientation de réflexion. Donc, beaucoup d'objets et je peux donc créer des sous-groupes si j'ai besoin potentiellement de mener les éléments. J'ai vu là encore en passant rapidement là tout à l'heure dans les allées que certains faisaient finalement une partie du travail de la technique de groupe de créativité. C'est l'outil le plus connu, c'est celui du brainstorming. Alors il s'agirait de savoir s'il est mené dans les règles de l'art, mais bon, on fait un premier travail de trois jours, donc ça donne une idée.
Après, le brainstorming, normalement, il faut qu'il soit bien cadré, bien calé dans son usage pour ne pas faire n'importe quoi. Mais c'est un bon outil dans la créativité. Il en existe d'autres, donc, qui vont permettre de découvrir des concepts, des solutions, des aspects nouveaux en les retournant, en les pliant dans tous les sens. Donc, un travail important à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'est les deux grands outils dans la réalisation d'une étude de marché sur l'aspect qualitatif. L'aspect quantitatif, maintenant, donc l'aspect quantitatif, c'est de compter, de comparer et de décider. Et là, donc, les grandes questions auxquelles on va répondre dans l'étude quantitative, donc qui vient après avoir réfléchi au pourquoi, c'est de répondre à des questions telles que le combien, le qui, le quoi, le quand et le où. Donc ici, on change, on va interroger beaucoup de personnes, et là, ici, dans ces aspects-là, interviennent un premier travail, et ce n'est pas du tout l'objet de notre séquence de ce matin, là, je parle comme si je parlais dans le cours, d'échantillons et de populations, donc ça fait forcément référence à l'usage des statistiques pour mettre en place l'étude quantitative, de se dire, voilà, qu'est-ce que j'extrais comme population, comme objet d'étude, et dans cette population, quel est mon échantillon représentatif. Donc là, on se renvoie, j'espère que tout le monde a suffisamment de questions, de connaissances dans le domaine, pour dire N, petit n et grand N, mes deux éléments de base de l'étude quantitative, donc de toute étude statistique. Et si je mets en place ces éléments d'échantillon et de population, c'est que je vais pouvoir ensuite dérouler un traitement statistique. On va rapidement voir donc quelles sont les informations que je peux en tirer. Comment je l'amène, cette étude quantitative? L'étude qualitative, rappelons donc, c'est sous la forme d'entretien individuel ou de groupe. Ici, c'est sous la forme d'un questionnaire. Et quand je crée un questionnaire pour mener l'étude quantitative, j'ai déjà besoin de recenser toutes les informations dont je peux avoir besoin. Et ensuite, simplement, quand j'aurai pointé les informations que je recherche, j'établis le questionnaire. Donc, on ne commence pas par se lancer à faire le questionnaire, on se dit quelles sont les informations que je veux obtenir, peu importe ce que les gens vont répondre, mais de se dire, voilà, je recherche des informations sur tel aspect, et ensuite seulement je construis mon questionnaire. La méthode quantitative, elle incite à utiliser ce qu'on appelle des questions fermées. Des questions fermées, ça renvoie à un outil très précis qui est une échelle dite de Likert, qui nous renvoie à un psychologue américain qui s'appelle Renzis Likert. Exemple de questions qu'on peut poser dans une étude de marché qualitative. Les smartphones vendus sous marque d'enseigne sont-ils d'aussi bonne qualité que ceux vendus par les grandes marques? Voilà. Et l'échelle de Likert, c'est de répondre. La personne qui a le questionnaire, elle répond « je suis tout à fait d'accord, je suis d'accord, je suis plutôt d'accord, je ne suis pas d'accord ou je ne suis pas du tout d'accord avec cette affirmation ». Voilà, donc ça, c'est le principe, c'est l'une des questions par excellence que l'on peut poser dans le cadre du questionnement quantitatif de l'étude de marché. Comment je le fais ensuite, quand j'ai défini mon questionnaire? Je ne vais pas poser que des questions comme celle-là, mais je peux en poser d'autres, si vous le souhaitez, on y reviendra après. Dans la collecte des données, plusieurs modes peuvent se mettre en relation. Le meilleur reste quand même, qu'on le veuille ou non, le face-à-face. Donc la personne qui est interrogée sur la base du questionnaire a quelqu'un en face d'elle. C'est le mode de collecte qui peut être adapté à tous les cas, et notamment lorsqu'il y a un certain caractère confidentiel de l'étude à réaliser. Vous êtes pour certains sur des sujets confidentiels, donc on a besoin d'utiliser cette méthode-là. Où est-ce que je peux la réaliser, l'enquête? Il faut se dire quelle est la nature de mon produit. Donc la nature
nature de mon produit va induire que je vais m'interroger, de savoir si je fais ça dans une rue piétonne, si je fais ça devant un bâtiment administratif pour une question de neutralité, si je fais ça à l'entrée d'un centre commercial, si je fais ça à la sortie d'un magasin. On peut avoir de très nombreuses situations différentes. Autre technique possible, je peux faire ça donc via le téléphone, donc c'est le système du phoning, et là l'entretien doit forcément être plus court, le questionnement doit être plus court que celui qui serait mené en face à face. 10-15 minutes, c'est vraiment un très grand maximum. Je peux utiliser un courrier traditionnel papier, mais on sait que les études qui sont faites là-dessus montrent qu'il y a souvent très peu de retours, donc efficacité limitée. Et puis je peux enfin utiliser le courriel. Certains nous en envoient parfois, des étudiants, dans le cadre de réalisation d'UV. Donc le courriel, attention, dans une optique professionnelle, il faut toujours s'assurer qu'il répond donc à la loi du 21 juin 2004, c'est-à-dire qu'il a fait l'objet d'un opt-in, donc l'individu que l'on sollicite par courriel a bien donné son accord pour qu'on puisse l'interroger ainsi. Nous parlerons ensuite du traitement des données qualitatives. Si on a réfléchi à une population et un échantillon pour recueillir des données, c'est qu'ensuite on va pouvoir faire un certain nombre d'analyses statistiques à partir donc des données qui ont été collectées. Trois grands types d'analyses peuvent être menées, des analyses dites univariées, sous la base de ce qu'on appelle des tris à plat, donc sur une valeur. On a comme objectif de classer des individus, de calculer des moyennes, des écarts-types, des fréquences, des variances. On déroule la boîte à outils des statistiques traditionnelles. Je peux faire des analyses bivariées, donc qui s'appuient sur ce qu'on appelle les tris croisés. Donc les tris croisés, c'est ceux qui vont répondre, qui vont combiner les réponses à deux questions. Avec ce type d'outil, on peut notamment confirmer ou infirmer une relation entre deux variables. Et puis, je peux passer à un degré supplémentaire. Donc, je peux combiner plusieurs données, donc ce qu'on appelle l'analyse multivariée. Et là, donc, on va aller vers des modèles mathématiques un petit peu plus appuyés, tels que, par exemple, je ne développe que celui-là, les analyses factorielles, donc pour pouvoir, par exemple, extraire des traits dominants. Je reviens à mon étude sur le trail. Qui sont les pratiquants? Là, quand je m'interroge sur les pratiquants, qui sont-ils? Où habitent-ils? L'étude que j'avais vue passer, là, en fin de semaine dernière, montre des aperçus très caractéristiques de cette population. Ce n'est pas forcément des gens qui étaient très pratiquants sportifs au départ. Quand je dis au départ, jeunes, ce sont souvent des gens qui viennent dans cette compétition-là après 30 ans, après parfois avoir fait déjà une autre compétition sportive. Donc ici, l'analyse s'est certainement appuyée sur une analyse type factoriel. Je termine avec deux choses. Une étude de marché, je ne vais pas essayer de la faire à la main. Je peux essayer de m'appuyer sur Excel pour réaliser un certain nombre de choses. Mais surtout, c'est d'utiliser les outils informatiques qui peuvent être à ma disposition. Donc dans les outils informatiques, pour ne présenter que des outils simples, deux outils d'éditeurs français. L'un est basé en Haute-Savoie, c'est la société 5 Développement. L'autre est basé à Lyon, c'est Soft Concept. Voilà deux sociétés qui proposent donc des logiciels qui permettent de réaliser des études de marché et des logiciels qui ont l'avantage donc d'avoir une prise en main très rapide, parce qu'on peut aller vers des outils plus complexes qui sont des outils, souvent intégrés dans des outils plus globaux, par exemple tels que des modules au sein d'un ERP. Là, on a des outils dédiés dont la prise en main est facile.
Donc là encore, hein, quand on n'est pas un spécialiste de la chose, quand l'outil peut m'apporter des réponses relativement rapidement, eh bien, il faut toujours essayer, me semble-t-il, de privilégier de tels types d'outils. Donc le premier permet tout à la fois de construire le questionnaire, d'assurer la collecte de réponses et d'assurer la gestion de l'analyse des données. Le second est plus complet, là il est construit autour d'une dizaine de modules, et notamment donc, ben, pour le dernier, parce que hein, là, tous ceux qui sont en département informatique le savent bien, le big data c'est le champ actuel sur lequel les entreprises investissent massivement, donc ce produit logiciel propose déjà un module dans cette dimension-là, y compris déjà des statistiques avancées, donc on n'est pas obligé de se repalucher, de construire les modèles mathématiques. Et puis si vous souhaitez un jour ou l'autre, enfin un jour après, toute référence bibliographique se dégrade très vite dans le temps, mais je recommanderais, si on a besoin d'aller plus loin que les modestes éléments que j'ai présentés ici, eh bien cet ouvrage-là, Études de marché, qui date d'il y a 2 ans, donc a été fait par 2 des meilleurs spécialistes de la question en France, les professeurs Giannoli et Vernette. Donc avec ça, vous trouverez tout ce qu'il faut sur les études de marché, toutes les conditions de référence de mise en application des outils, toutes les conditions de rappel statistique et mathématique quand on a besoin d'utiliser des outils, et enfin des illustrations de ce qu'il faut faire et aussi de ce qu'il ne faut pas faire avec les différents outils. Voilà ce que je tenais à vous proposer ce matin.